Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis. Nous sommes encore aujourd'hui à notre temps, la montagne de la transfiguration. Nous sommes à notre rendez-vous divin. Et tout rendez-vous divin est une grâce. Parce qu'on ne peut rencontrer le divin et partir tel qu'on a rencontré le divin. On repart forcément avec quelque chose du divin. Je bénis Dieu pour vos familles. Je bénis Dieu pour vos parents, pour vos frères, pour vos sœurs. Et bien aimé, commence à partager la vidéo. Commence à partager à tous tes contacts. Commence à partager à toutes tes connaissances. N'aie pas honte de partager, n'aie pas honte de contribuer à l'évangélisation, de contribuer à l'œuvre de Dieu. Partage la vidéo, nous sommes à la montagne de la transfiguration. Nous laissons quelques secondes afin que tu puisses partager la vidéo, afin que tu puisses envoyer cette vidéo à la personne. Si tu peux même organiser également des séances vidéo, afin que tous tes contacts puissent suivre, afin que tous tes contacts puissent rester connectés, puisse être aussi à la montagne de la transfiguration, là où les vies sont changées, là où les vies sont transformées. Et comme j'aime bien le dire, ce passage de Jésus en prière à la montagne, là où il a été transfiguré, est tellement magnifique. Et sur ce passage, il dit comme ça qu'il y avait Moïse et Élie qui étaient apparus. Et après, ils ont disparu et la voix retentit en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Moïse et Élie ont disparu afin que nous puissions, toi et moi, être à la montagne de la transfiguration afin d'écouter Jésus-Christ de Nazareth. Alors partage la vidéo avant qu'on puisse entrer dans notre moment. Afin qu'on puisse échanger avec Christ Jésus à la montagne de la transfiguration. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De là où tu te trouves, bien-aimé, je voudrais que tu entres en toi-même. Je voudrais que tu commences à penser à la journée, à penser à la semaine,
à penser à ce qui a pu se passer. Peut-être que tu as reçu de bonnes nouvelles. Peut-être que tu as reçu de mauvaises nouvelles. Mais toutes ces choses qui se sont produites ne peuvent pas retirer à notre Dieu sa grandeur. Car il est grand, il est puissant. C'est pourquoi je veux que tu lui dises merci. Même si tu souffres, même si tu as mal au cœur, même si une situation ne t'a pas plu, dis merci à ton Dieu. La Bible dit qu'il y avait, 10 aveugles qui sont venus voir Jésus et réclamer la guérison. Jésus leur a dit, battez, vous montrez au prêtre. Un acte de foi qu'il devait poser. Un acte de confiance qu'il devait poser. Et ces 10 aveugles sont mis en mouvement pour aller voir les prêtres. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, les 10 aveugles ont été guéris. Mais il y a un seul qui s'est retourné pour aller vers Jésus. Et arrivé devant Jésus, Jésus lui dit, mais et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Il dit, mais ils ont été guéris. Et bien aimé, regardez, il a demandé simplement la guérison, mais en plus de la guérison, Jésus lui a accordé le salut parce qu'il a rendu grâce. Alors je veux que tu élèves la voix et que tu rendes grâce à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, merci à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ces mauvaises nouvelles merci, que j'ai reçues en cette semaine. Seigneur, merci. Présent ici. Parce que ça a été difficile, ça a été compliqué. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour la montagne de la transfiguration. Seigneur, merci car tu me permets de suivre la montagne de la transfiguration. Merci pour ces plateformes. Merci Seigneur pour ces vies qui nous suivent. Merci Seigneur pour chaque personne, pour chaque vie qui est connectée actuellement et qui suit ce temps de prière, ce temps d'adoration, ce temps de rencontre avec ta gloire, ce temps de rencontre avec ta personne. Sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, merci Jésus. Merci. Seigneur, merci. Merci pour ce vie. Merci Seigneur pour ce cœur chargé, pour ce cœur déçu. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi Père, nous venons te dire merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Yeah.
Recevoir aujourd'hui encore. Vas-y, dis merci à ton Dieu. Dis-lui merci. Pendant que tu le remercies, il prépare ton cœur à recevoir sa parole. Il prépare ton cœur à recevoir sa vie. Il prépare ton cœur à recevoir quelque chose qui va donner à ton cœur cette saveur. Quelque chose qui va donner à ton cœur cette vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci pour ta vie, merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Sois béni Seigneur, sois célébré Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et bien aimé, j'aimerais que tu commences à te disposer parce que nous allons partager la parole de Dieu avant de commencer. Jean disait comme ça dans son évangile. Rien de ce qui n'a été fait, de ce qui a été fait, n'a été fait sans la parole. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a marché, il a vécu dans la parole. Alors il est important pour nous de commencer avec la parole. Si tu as de quoi noter, j'aimerais que tu prennes et que tu commences à prendre note. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton cœur, que le Saint-Esprit lui-même prépare ton cœur à recevoir sa parole. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ce moment de partage de la parole. Viens Saint-Esprit aujourd'hui encore parler à nos cœurs. Viens Seigneur, inonder nos cœurs de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. En Hébreux 4, le verset 12, il est dit comme ça que elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et cette parole, elle a cette puissance-là de séparer l'âme et l'esprit. Et Paul pouvait dire que la parole que nous proclamons, elle est la puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi je veux que tu disposes ton cœur à saisir la parole qui sera donnée à ce moment de prière. Si tu as ta Bible près de toi, tu peux la prendre. Nous allons rester en Ésaïe, le chapitre 54. Ésaïe, le chapitre 54. Je me souviens lorsque je commençais la vie avec Dieu, la marche avec Dieu, la marche du chrétien. Mais je me souviens que j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Je n'avais jamais ressenti auparavant ce qu'on appelait l'amour de Dieu. Je n'avais jamais compris ce qu'était l'amour de Dieu. Et j'étais à une retraite au grand séminaire d'Anyama. Et il y avait un prêtre qui nous enseignait tout le temps à une retraite d'adolescents. Nous étions tous entre 14 et 18 ans. Et au cours de cette retraite, le prêtre a eu à donner son témoignage de vie. Et il disait comme ça, avant de devenir prêtre, il a refusé en fait l'appel de Dieu. Il a refusé de servir le Seigneur. Il a refusé de marcher avec le Seigneur. Parce que lui, il voulait se marier. Il ne voulait pas vivre une vie de consacré. Et à nous, qui étions ados dans le temps, il nous donnait le témoignage de sa vie. Et il disait comme ça que il est arrivé en troisième, il était bon en classe. Mais à chaque fois, il échouait. Et il y avait cette voix, il savait qu'il devait, être prêtre. Mais il refusait, il voulait aller hors de la voie de Dieu, hors du chemin de Dieu. La première fois, il a échoué, la deuxième fois, il a échoué. Et là, il a arrêté d'aller un peu à l'école. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à se jeter dans une vie de débauche, dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Il disait qu'il était jeune, comme nous. Et il pensait que aller en fait se jeter dans les plaisirs de la jeunesse allait empêcher Dieu d'avoir un regard favorable sur lui. Allait empêcher Dieu de le prendre à son service. Et il disait comme ça que plus il s'intensifiait dans l'impudicité, dans les plaisirs de la jeunesse, la voix de Dieu, l'appel de Dieu se faisait de plus en plus fort sur sa vie. Et il parlait à nous jeunes. Il nous disait comme ça que Dieu est celui-là qui aime. Et regardez, il avait commencé à se lancer dans cette vie au point de délaisser la marche avec le Seigneur. Et l'appel de Dieu se faisant de plus en plus fort sur sa vie, il a commencé à ressentir comme un vide, quelque chose qui manquait, quelque chose qui faisait qu'il n'était pas équilibré, quelque chose qui faisait que il n'arrivait pas à être satisfait. Et ce quelque chose qu'il cherchait, il ne pouvait le découvrir que dans l'amour de Dieu. Et il nous disait comme ça que il a compris ce qu'est l'amour de Dieu. Il pensait que aller mener une vie loin de Dieu allait l'éloigner de l'amour de Dieu. Il pensait que cela allait faire que Dieu allait dire, oh, toi, je ne t'aime plus. Au contraire, cela a intensifié l'appel de Dieu sur sa vie. Bien-aimé, je veux te dire, à toi qui nous suis présentement, que le Seigneur t'aime. Nous allons lire le passage tout de suite. Tu comprendras que le Seigneur t'aime. L'amour de Dieu est parfois difficile à expliquer,
difficile à concevoir parce qu'en tant qu'être humain, on a notre manière d'aimer. Et parfois, on pense que cette manière d'aimer est la même que celle dont est la même que la manière de d'aimer que le Seigneur a. Or, il dit comme ça que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Je veux que tu me suives bien, bien-aimé. Et pendant que le prêtre est en train de donner ce message, il nous disait à nous jeunes, Dieu nous aime. Nous nous sommes tous vus dans son témoignage. Parce qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes plus attirés par les plaisirs de la jeunesse. Il nous disait comme ça, excusez-moi pour les thèmes, il disait comme ça, j'ai tapé les fesses des filles. Il disait comme ça, je suis allé à la plage, je me suis amusé avec les femmes. Il disait comme ça que j'ai bu de l'alcool, je me suis saoulé. Il disait qu'il a fait ce qui n'était pas bien. Mais regarde, cela n'a pas empêché l'appel de Dieu, la grâce de Dieu de s'accomplir dans sa vie. L'amour de Dieu est disponible, mais c'est à nous d'accueillir l'amour de Dieu. C'est à toi qui me suis d'accueillir l'amour. Je ne sais pas ce que tu vis. Parfois, certaines personnes disent que Dieu m'a délaissé, Dieu m'a abandonné. Mais regarde, au fond de cette souffrance, au fond de cette situation que tu traverses, je veux te dire une seule parole. Jésus t'aime. En Romains 8, Paul disait comme ça, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Il disait, est-ce la mort? Est-ce la maladie? Est-ce la tribulation? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et pour toi qui nous suis, peut-être que tu penses que ta vie, elle est un hasard. Peut-être que tu penses que ta vie n'a pas le droit d'être menée. Peut-être que tes parents ont voulu t'avorter. Peut-être que tes parents n'ont pas voulu de toi. Et tu es venu comme ça. Et un jour, l'un ou l'autre des parents te l'a dit. Et tu as commencé à chercher l'amour dans l'homme. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas un hasard. Tu es un produit de l'amour de Dieu. Il dit que tu as été fait à partir de la parole parce qu'il a parlé à la poussière s'est constituée et tu es venu au monde. Et regarde, cette parole, c'est Jésus qui est l'amour. Du coup, en toi, il y a cette matière première qui est l'amour. Christ t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime plus que tu ne peux le penser. Peut-être que tu as commencé à marcher dans une certaine vie et tu te dis que Christ ne t'aime pas. Tu te dis qu'il t'a abandonné. Tu te dis que non, avec la vie que tu es en train de mener, parce que tu es en train de mener cette vie de débauche, cette vie de péché, tu te dis que non, c'est fini, Christ ne peut pas m'aimer. Et même quand à l'étant des prières, on te dit que Christ a déposé un appel sur toi, Jésus a mis son appel, sa grâce t'a choisi, tu te dis non, tout le monde sauf moi. Bien-aimé, je viens te dire en ce jour, tout le monde, pas sauf toi. Toi également, Christ t'appelle. Toi également, Jésus a un plan pour toi. Il veut se saisir de ta vie. Il veut se saisir de ton cœur. Car il t'aime. Car il est prêt pour toi, comme j'aime bien le dire. Et pour toi, perle de Jésus qui nous suit, tu as une perle pour ce Christ. Peut-être que les gens t'ont rejeté. Les gens ont dit que tu n'es pas une perle de valeur. Peut-être que les gens t'ont dit que tu n'as aucune valeur. Peut-être qu'on t'a dit que, comme Nathanaël a dit, rien de bon ne peut sortir de toi. Mais regarde, de ce mauvais que les gens voient, Christ peut faire surgir le bon. Christ peut faire surgir le meilleur de toi. Tu dois simplement accepter l'amour de Dieu. Tu dois simplement accepter cette grâce de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, regarde, peut-être que tu as tellement péché, peut-être que tu as tellement commis des choses. Mais je vais te dire un truc. La douche est faite pour se laver. Et lorsque tu vas te laver dans la douche, tu ne dis pas que je suis trop sale, la douche ne peut pas me laver.
Parce que tu as confiance en la capacité que le savon a. Tu as confiance en la capacité que l'eau a de te laver. Alors, à plus forte raison, ce Dieu qui a versé son sang, qui est comme cette eau-là aujourd'hui qui nous lave. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas dire, je ne peux pas aller vers le Seigneur? Jusqu'à quand tu vas trouver cet argument pour te maintenir dans cette mauvaise, pour te maintenir hors de l'amour du Seigneur? Jusqu'à quand tu vas trouver cet argument, ce prétexte-là pour dire, non, aujourd'hui il est temps. Comme j'aime bien le dire, on ne connaît pas demain, mais on connaît aujourd'hui. Présentement, je suis en train de te parler, mais demain, on ne sait pas ce qui se passera. C'est pourquoi toi qui me suis, tu dois accepter l'amour de Christ pour toi. Tu dois accepter l'amour de Jésus pour toi. Tu dois accepter l'amour de Dieu pour toi. Tu vas prendre ta Bible. Ésaïe, nous allons lire le chapitre 54, le verset 8. On va lire le verset 8 d'abord. Je lis la parole de Dieu. J'aimerais que tu prêtes attention, bien-aimé. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant. Mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, il dit comme ça que dans son indignation, vous voyez, on est en train de parler. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que c'était avant la venue de Christ. Et Israël avait tellement péché que Dieu s'était indigné, Dieu s'était fâché contre son peuple. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, dans mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant. Mais dans mon amour éternel, il dit, dans son amour éternel, j'aimerais que tu comprennes ce passage. Il dit, dans mon amour éternel. Et c'est pourquoi, regarde, en Jérémie 31, verset 3, il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai gardé ma faveur. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi mon appel te suit. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi, peu importe ce que tu fais, moi, Dieu, je suis là et je t'attends. Les bras ouverts pour t'accueillir près de moi, pour t'accueillir dans mes bras. Il dit, j'ai de la tendresse pour toi. Lorsqu'on prend la signification en hébreu, le sens de la tendresse veut dire un amour profond qu'une mère a pour son enfant. Un amour si grand, si profond. Et regardez, Ésaïe utilise dans ce passage-là trois fois le mot tendresse qui représente en fait l'amour du Père, l'amour du Fils et l'amour de l'Esprit Saint. Il dit, il t'aime profondément, cet amour qu'une mère a. C'est pourquoi Ésaïe a pu dire, en Ésaïe 49, il dit comme ça que une mère peut abandonner le fruit de ses entrailles, même si elle parvient un jour. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. En d'autres termes, moi, l'Éternel, je ne cesserai de t'aimer. Bien-aimé, l'amour de l'Éternel ne peut pas s'expliquer. Il se vit. Et je vous assure, lorsque le prêtre racontait son témoignage, l'amour de Dieu m'a visité. J'ai compris que malgré ma vie, malgré ce que je fais, malgré ce que les gens disaient de moi, malgré ce qu'on racontait, il y avait quelqu'un, une personne qu'on appelle Jésus, qui était là, qui me regardait et qui me disait à chaque fois, je t'aime. Mais je n'entendais pas sa voix. Et il dit comme ça, je t'ai caché ma face pour un court instant. Je t'ai caché mon visage, je t'ai caché ma présence. Mais regarde, cette présence nous est révélée par Christ. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique Christ. Et il dit comme ça, voici la plus grande preuve, la preuve d'amour de Dieu. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie. Jean 3, le verset 16. Donc, la face cachée que le Seigneur avait, il la révèle par le Christ Jésus. Il te révèle cette face. C'est pourquoi nous sommes à la montagne de la transfiguration. Afin qu'en regardant la face de Jésus, tu sois transformé. C'est pourquoi Paul pouvait le dire. Nous tous qui le visage découvert, le contemplons, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. Alors pendant que tu es à la montagne de la transfiguration, pendant que tu entends ce message, pendant que tu entends l'amour de Dieu te visiter, bien-aimé, tu es en train d'être transfiguré. Ne résiste pas à cette transfiguration, ne résiste pas à cette transformation qui est en train d'opérer en toi. J'aimerais que tu changes de mentalité en ce jour. J'aimerais que tu réalises cet amour que ce Dieu a pour toi. C'est pourquoi il dit comme ça au verset 10 d'Ésaïe 54,
J'aimerais que tu prennes attention. Il dit, même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Alléluia. Quelle parole magnifique. Bien-aimé, regarde les mots que le Seigneur utilise pour te parler. Une montagne ne peut pas marcher. Une montagne ne peut pas se déplacer. Mais il dit, même si les montagnes arrivent à partir, même si tout le monde arrive à t'abandonner, même si tout le monde arrive à te délaisser, même si tout le monde arrive à dire de toi que tu es une mauvaise personne, il dit que lui, Dieu, son amour envers toi ne partira pas. Son amour envers toi ne s'éloignera pas de toi. C'est pourquoi tu dois préparer ton cœur. Et au début de ce verset, au chapitre 2, il dit, c'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles pour t'abriter. Bien-aimé, la tente est considérée comme une demeure. Et Paul dit que nous sommes la demeure de l'Esprit Saint. Du coup, lorsqu'on dit élargis ta tente, en fait, élargis ton cœur. Fais de la place dans ton cœur afin que ce grand Dieu puisse venir siéger dans ton cœur. Regardez comme ce Dieu, il est grand. Mais c'est dans un cœur d'homme qu'il vient siéger. Et lorsqu'il te dit d'élargir ta tente, lorsqu'il te dit d'élargir ton cœur, lorsqu'il te dit de préparer ton cœur, il te demande de faire de la place dans ton cœur pour accueillir son si grand amour, pour accueillir sa tendresse, pour accueillir sa grâce. Christ ne t'a pas abandonné, non. Peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Christ ne t'a pas abandonné. Christ ne t'a pas délaissé. Aujourd'hui, saisis cette grâce. Peut-être que tu te retrouves comme cette femme adultère, entourée par toutes ces personnes, et se retrouvant devant Jésus, attendant ce que Jésus dira. Peut-être que tu es comme Matthieu, qui était collecteur d'impôts. Peut-être que tu es comme Zachée, de qui les gens parlaient mal. Les gens disaient, lui aussi, Jésus est parti chez lui. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi tu te trouves présentement. Mais je sais une seule chose. Une chose dont je ne doute point. Une chose dont je suis pleinement convaincu. Une chose dont personne ne peut me convaincre le contraire. C'est que Jésus t'aime. C'est que Christ t'aime de là où tu te trouves. Je ne sais pas comment tu vois l'amour. Je ne sais pas comment tu vois l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment tu vois l'amour de Jésus. Mais je veux simplement te dire, Jésus t'aime. C'est pourquoi il te choisit. C'est pourquoi malgré cette vie, il t'attend. Il a ses bras ouverts pour t'accueillir. Il t'attend. Il veut que tu te décides à venir. Il veut que tu te décides à te laisser laver, à te laisser transformer par son amour, transformer par sa grâce. Bien, mais peut-être qu'au cours de ce temps, tu vas sentir, peut-être que déjà, mais tu as déjà commencé à sentir cet amour là où tu te trouves. Peut-être que tu as déjà commencé à pleurer. Ne t'empêche pas de pleurer, pleure dans la présence de Dieu. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, ta vie a commencé à défiler devant toi. Tu as commencé à voir toutes les étapes de ta vie où tu as eu à marcher dans cette débauche, où tu as eu à t'éloigner fortement du Seigneur. Tu as commencé même à te rappeler toutes ces fois où on t'a annoncé la bonne nouvelle et tu as refusé. Tu es en train de te rappeler toutes ces fois où tu as passé des moments de dépression. Oh, toutes ces fois où tu as été près du suicide. Et cette voix du Seigneur, pendant que nous sommes rassemblés, pendant que nous sommes là, cette voix te rejoint et te dit,
Mon amour pour toi ne partira jamais. Mon amour pour toi ne prendra jamais la fuite. Mon amour pour toi ne te lâchera point. Mon appel sur ta vie ne te lâchera point. Je ne sais pas comment tu vois cet amour. Il t'aime comme un époux aime sa femme. Il t'aime comme un père aime ses enfants. Il t'aime comme une mère aime ses enfants. Il t'aime comme un ami aime son ami. Tel que tu es, Jésus t'aime. Tel que tu es, Jésus veut ton cœur. C'est pourquoi, toi qui nous suis présentement et qui est encore maintenu par les pratiques du monde, regarde, le temps il est favorable. Saisis cette occasion. Nous n'aurons pas assez de temps. Mais comme la Bible dit que en Christ, 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans. Je veux que tu saisisses ce moment pour donner ta vie à Christ. Je veux que tu saisisses ce moment pour revenir à lui. Je veux que tu saisisses ce moment pour expérimenter l'amour de Dieu. Je suis convaincu, il a déjà commencé à manifester son amour dans le cœur. Alors pendant que nous allons prendre ce cantique, pendant que nous allons chanter Emmanuel, pendant que nous allons chanter Emma, pendant que nous allons dire les paroles de ce cantique, je voudrais que, bien-aimé, tu puisses suivre avec nous, tu puisses entrer dans cet élan et dire à Dieu, tu m'aimes. Et dire à Dieu, je n'ai que toi, je viens à toi. Et lui dire, je viens m'abandonner à toi aujourd'hui. Dis-lui, oh, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Bien-aimé, je suis convaincu, je suis tellement convaincu que tu ressentiras cet amour de Dieu. Certains ont déjà commencé à ressentir cet amour de Dieu. Certains ont déjà commencé à ressentir cette présence moindre de notre Dieu. Alors mets-toi à le chanter. Pour toi qui ne connais pas le cantique, je veux simplement que tu écoutes tes paroles. Et si c'est pas, tu peux voir même ces paroles sur l'écran. Commence à te plonger dans ce moment. Commence à te plonger dans ce moment. Les paroles de ce cantique sont tellement profondes. Christ est avec toi, il ne t'a pas délaissé. Un appui, un ami sur qui compter. Je n'ai rien trouvé d'authentique, de vrai. Rien qui n'a pu combler ce vide en moi. Parmi les fils dont mon cœur a cherché. Un appui, un ami sur qui compter. Je n'ai rien trouvé d'éternel de réel. Jusqu'au jour où tu me fis voir ton cœur. Oui, dans tout l'univers, mon cœur a cherché. Un ami qui m'aimerait tel que je suis.
je n'ai rien trouvé d'éternel, de réel, jusqu'au jour où tu me fis voir ton cœur transpercé. Par mes péchés, tu ne m'as pas condamné, mais tu m'as pardonné. Transpercé, transpercé, par mes péchés, tu ne m'as pas condamné, mais tu m'as pardonné. Transpercé, transpercé. Il n'y a que lui seul, il est le source même de l'amour.
comme ça et il parle à quelqu'un. Il dit, l'Éternel te rappelle comme un époux rappelle la femme abandonnée à l'esprit accablé, la compagne de la jeunesse qu'il aurait réputée. C'est ce que déclare ton Dieu. Alors, au travers de ce cantique doit être une réponse à l'appel que Dieu te lance. Ne le chante pas comme une simple chanson. Bien aimé, ce cantique est bien plus qu'une simple chanson. C'est une prière. C'est l'état d'un cœur. Un cœur qui vient répondre à l'appel de ce Dieu. Un cœur qui vient répondre à l'amour de Dieu. Un cœur qui vient répondre à ce que Dieu dit. Il dit, l'Éternel te rappelle, comme un époux rappelle la femme abandonnée. Cette femme-là qui a l'esprit accablé, sa compagne de jeunesse, qui l'avait répudiée, l'Éternel ton Dieu le déclare. Alors nous allons continuer à chanter, continuer à répondre à l'appel de ce Dieu. Parmi les fils dans mon cœur à chercher un appui, un ami sur qui compter, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé d'authentique, de vrai. Rien qui n'a pu, rien qui n'a pu combler ce vide en moi. Parmi les fils d'hommes ensemble. Parmi les fils dans mon cœur à chercher un appui, un ami sur qui compter. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé d'authentique, de vrai. Rien qui n'a pu combler ce vide. Encore parmi les fils d'hommes, parmi. Parmi les fils dans mon cœur à chercher. Regarde combien de fois tu as cherché, combien de fois tu as tourné. Un ami qui aujourd'hui il est un ami tel que je suis. Je n'ai rien, je n'ai rien trouvé d'éternel, de réel. Jusqu'au jour où tu me fis voir. Oui, dans tout l'univers, oui, dans tout l'univers. Oui, dans tout l'univers. Un ami qui m'aimerait tel que je suis. Je n'ai rien trouvé d'éternel, de réel. Jusqu'au jour où tu me fis voir ton cœur transpercé par mes péchés. Pas condamné, mais tu m'as pardonné. Transpercé, transpercé par mes péchés. Tu ne m'as pas condamné, mais tu m'as pardonné. Oui, transpercé. Quel amour, quel amour, quel amour, tu le grand amour qu'on a aimé, tu m'as merci, encore transpercé. Emmanuel, tu es avec
Il veut que tu marches avec lui. Il veut que tu marches dans son amour. Il veut que tu vives
dans son amour. Laisse-toi emporter dans cet élan d'amour, dans cet élan de sa présence. Je t'aime, Emmanuel. Je
t'aime, Emmanuel. Je t'aime, Emmanuel. Oh, je t'aime, moi, je n'ai que toi. Vas-y, parle à ton Dieu. Vas-y, dis-lui avec tes mots que tu n'as que lui. C'est le moment de faire parler ton cœur. C'est le moment de t'entrer, de te cacher dans le cœur de ce Dieu rempli d'amour. C'est le moment d'entrer en son cœur et se cacher. C'est le moment de lui parler, je ne sais pas ce que l'Éternel te met présentement à cœur. Mais je suis sûr d'une chose, son amour va commencer à déborder. À déborder en toi. Parce que de là où je me trouve, je peux le sentir, je peux le voir, je peux le toucher. Alors parle à ton Dieu, prie. Dis-le, Père, aujourd'hui je reviens. Dis-le, Père, aujourd'hui je viens à toi. Dis-le, Père, aujourd'hui je viens me donner, Père, regarde, Père. Dis-le, Père, regarde. Je pensais que j'étais inutile. Je pensais que je n'étais pas une personne sur qui tu pouvais poser Lord, ton regard. Mais aujourd'hui, je le réalise, tu l'es. Aujourd'hui, je le réalise, tu es cette, ce Dieu-là qui pose ce regard d'amour sur moi. Et tu es tout pour moi, Yahweh. Lord, you are. Tu es tout pour moi, Yahweh. My tu es tout pour moi. Refuse. Tu es tout pour moi. Lord, you are. Lord, you are my everything, my everything. Lord, you are. Lord, you are my everything, my everything. Lord, you are. Yeah.
Seigneur, tu es tout pour moi. Je ne sais pas, mais j'entends ton. Je vois comme le Seigneur est en train de répandre ses dons sur certaines personnes. Il est en train de répandre ses dons. Il est en train de répandre ses dons sur plusieurs personnes. Il dit parce que tu as dit que je suis tout pour toi, je viens te donner tout de moi. Oh. Seigneur, réponds, souffle tes dons, souffle tes dons. Souffle tes dons, Seigneur. Ces paroles déjà citées. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous en dirigez pas. Une question dit comme ça que aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimé, au cours de ce temps passé, sur la montagne de la transfiguration, le Seigneur est venu offrir son cœur afin que tu puisses t'élever. Et venir entrer en son cœur, saisir son amour et te cacher dans son cœur. Tu ne dois pas endurcir ton cœur. Pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, de là où tu te trouves, dis Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Aujourd'hui, j'entre dans ton cœur afin de m'y cacher, afin de rester caché en ton cœur, car c'est caché en toi que tout m'est possible. Caché en toi, je deviens illimité. Caché en toi, je deviens extraordinaire. Parce que je suis caché dans celui qui n'a point de limite. Dans celui qui n'est point limité par un événement. Dans celui-là qui domine le physique et le spirituel. Alors bien aimé, pendant que nous terminons avec ces paroles, je voudrais que tu continues de dire, je t'accepte Jésus. Et pour toi qui veux revenir au Seigneur, c'est le moment. Reviens à lui. Reviens au Seigneur. Offre-lui ton cœur. Pour toi qui veux servir le Seigneur à une autre dimension. La grâce est tellement disponible. J'ai entendu donc. Le Seigneur est en train de répandre des choses. Bien-aimé, il n'y a pas meilleur prophète sur ta vie que toi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je t'invite à prier pendant que nous chantons. Hé, hey, ma mère.
ce soir tout entier à toi. Seigneur, je réalise aujourd'hui que je suis une perle de valeur. Je suis une perle de grand prix. C'est pourquoi tu m'appelles ta perle. Oh, merci Seigneur pour ce magnifique cadeau. Aujourd'hui, Seigneur, je sais, je réalise que quelque chose de bon peut sortir de moi. Quelque chose de bon peut sortir de ma génération, de ma famille. Merci Jésus. Merci Emmanuel d'être là, d'être près de moi. Merci Seigneur. Tu as visité plusieurs. Pour toi qui es malade, je te rassure d'une chose, l'Éternel t'a visité. L'Éternel a visité chacun de nous et a répandu quelque chose dans le cœur de chacun. Bien-aimé, nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur. Parce que vous êtes restés connectés jusqu'à la fin. Et je vous invite encore à partager la vidéo afin que même après ce direct, des personnes puissent le voir et être changées. La puissance de Dieu n'est point limitée. La puissance de Dieu n'est point limitée par quelque chose. Et les ondes ne sont pas une limite. Les ondes ne sont pas un obstacle. Alors, partage et bénissons encore Dieu pour vos vies. Nous prions afin que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je prie pour toutes ces personnes qui ont accepté Jésus aujourd'hui. Que vous ne l'ayez pas accepté comme quelqu'un de rétrograde, mais que vous l'ayez accepté comme Paul l'a accepté. Je prie en ce jour pour quelqu'un qui vivait dans le péché et qui a été saisi par l'amour de Dieu. Que cet amour de Dieu ne te lâche point. Et comme Paul pouvait le dire, l'amour de Dieu nous presse. Je prie que cet amour te presse à chaque fois à aller dans la présence de Dieu. Que cet amour te presse à te maintenir dans la présence de Dieu. Mieux, que cet amour même te maintienne dans la présence de Dieu. Je prie pour toutes ces personnes-là qui veulent aller à une autre étape dans leur relation avec Dieu. Je prie que la grâce se déverse sur votre vie. Que la grâce se déverse sur votre vie. Que maintenant, que désormais, à partir de ce moment, pendant que tu es en train d'entendre ce message, pendant que tu es en train de m'entendre parler, je prie que l'onction de la révélation se répande sur toi, afin que lorsque tu vas prendre ta vie,
Lorsque tu prends la parole de Dieu pour la méditer, les révélations viennent. Le Seigneur te parle de façon fluide, de façon claire. Je prie pour cette personne-là qui n'arrivait pas à passer assez de temps dans la présence de Dieu. Que la grâce te rejoigne maintenant de là où tu te trouves. Que la grâce te visite afin que tu puisses passer ce temps-là, du temps dans la présence de Dieu. Afin que même dans la prison, tu puisses, à l'instar de Paul et Silas, te mettre à prier et louer le Seigneur. Je prie pour ces personnes qui se croient, qui croient, qui pensent être abandonnées. Pour ces personnes qui se sentent seules. Pour ces personnes qui pensent n'avoir personne près d'elles. Je prie que l'amour de Dieu qui est descendu sur toi te lâche point. Qu'à chaque fois que la solitude viendra, qu'à chaque fois quelque chose essaiera de t'arracher à l'amour de Dieu. Oh, que cet amour-là te maintienne dans la présence de Dieu, dans le nom de Christ Jésus. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu, tu peux acclamer Dieu, tu peux dire merci à Dieu pour ce moment magnifique. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom, Papa. Et Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour cette vie, Jésus. Vas-y, dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu avant que nous ne terminions ce direct. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis-lui merci pour ce qu'il a déversé sur toi. Rends grâce à ton Dieu. Dis-lui merci, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour que tu as manifesté. Merci pour ta puissance. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Nous adorons ton nom, Seigneur. Merci, éternel de gloire. Sois béni, sois célébré au nom de Jésus. Je n'ai que toi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous donnons rendez-vous le mercredi pour la montagne, la transfiguration encore. Là où les vies sont changées, là où nous sommes transfigurés, là où nos caractères sont transformés. Et je t'invite encore à partager. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es la présence.